né le 1er mai, habitante, c'est une fibre gris de gris et parallèle. Exactement, parallèle, la famille de Latitude, Vanilla Crush, et bien sûr Vesley, et aussi Bob & Co, et bien sans même vous parler de tout ce qu'il y a sous la troisième mer, mais là je vous laisse admirer la richesse de ce pédigré. Habitante, qui est la sœur cadette de Détente, lauréate de deux courses en obstacle, déjà, alors qu'elle n'avait que 4 ans. Et elle a gagné. Donc Détente, depuis l'apparition du catalogue, a gagné une nouvelle course. Là, et Détente, je crois que la série est un peu maintenant, on va passer au numéro 28 et c'est le numéro 2. Mais pas devant moi, mais sur le côté. Ernest Darzan, qui est présenté par Madame Valérie Paul. Il est né le 14 février. Le 14 février pour le 68. Un fils de Costalpa, c'est Laurence. Ah bah oui, Laurence, c'est la jument pour l'élevage Nicole. C'est ici d'une souche trinquée, c'est où on a Mitra, Inox, Castal, Pyrénées et Danube. Et Laurence, elle a déjà une licence de grande qualité, on peut marcher, c'est une belle. Ici, c'est-à-dire à la fin du premier ainsi que la déco, la paix. En Irlande, tout s'était imposé dans un famille de Bali World qui s'est en Irlande, mais surtout il a terminé 3ème depuis 3 à Felchestown, 120 000 Européens, 6 victoires pour Arzambou, premier, en obstacle, en Angleterre, en Irlande, mais auparavant en France, notamment en gain à l'occasion du prix Le Pontet. Voilà, c'est de grande qualité, cet Arzambou, premier. Qui est un frère aîné de Hermès d'Arzangui. Il se présente donc sur le ring numéro 2. Merci.